Bonjour, je m'appelle Lisa Chaoui, je suis professeure de management en terminale STMG. Et voici mon collègue. Je suis Stéphane Altena, professeur de droit éco et de mercati de la filière STMG. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de la filière STMG. La filière STMG est une filière technologique. STMG signifie sciences et techniques du management et de la gestion. Donc, quel est l'objectif de cette filière? L'objectif de cette filière est de favoriser la poursuite d'études supérieures par le biais d'une formation générale, d'une part, en passant par des enseignements technologiques ouvrant sur de larges champs de la vie des organisations, d'autre part. Dans cette filière, nous nous intéressons donc à différentes thématiques. Comme l'a dit mon collègue, principalement à l'organisation et au fonctionnement des différents types d'entreprises, mais aussi à la découverte des grands principes de droit, d'économie, de management. En effet, la culture générale, les mathématiques et les langues ont une place primordiale dans cette filière. Pour autant, ne vous inquiétez pas. Si vous ne les maîtrisez pas encore, c'est pas grave, c'est normal, vous avez 2 ans pour acquérir ces compétences. Comment s'organise l'enseignement dans cette filière? Alors, dans cette filière, il existe un enseignement de tronc commun composé des mathématiques, des langues, de l'histoire-géo et du sport. En plus, vous aurez 3 enseignements de spécialité qui sont la science de gestion et du numérique, le management et le droit éco. En terminale, vous pouvez choisir un enseignement spécifique entre la gestion finance, la mercatique, les ressources humaines ou encore le système de formation et de gestion. L'avantage de cette filière, c'est que l'élève est réellement maître de sa formation. En effet, comme je l'ai dit précédemment, nous allons travailler sur des organisations que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vues et qui pour autant, pour certaines, vous intéressent fortement. Vous en êtes même consommateur. Exemple Zara. Donc, l'observation, l'analyse et la compréhension de la réalité de ces organisations peuvent vous intéresser. De plus, le recours permanent aux technologies de l'information et de la communication sont utilisés par vous-même, les réseaux sociaux par exemple. Donc, pour les comprendre, qu'est-ce qu'on met en œuvre? On met en œuvre énormément d'activités, de projets collectifs pour vous permettre de les comprendre, donc en passant par les différentes stratégies utilisées, en passant également par les méthodes pour se faire connaître, les réseaux sociaux, ou encore tout simplement en essayant de comprendre comment ils réussissent à garder une activité pérenne. Donc si vous êtes de nature motivé, curieux, et si les travaux de groupe ne vous font pas peur, cette filière est faite pour vous. Enfin, STMG permet d'accéder à une offre diversifiée d'études supérieures via des BTS, des BUT, de la licence, le DCG, ou même des classes préparatoires débouchant vers des métiers d'avenir. De nombreux métiers, tels que tout ce qui va concerner le management, ou encore vous pouvez faire notaire, tous les métiers liés aux banques et à l'assurance. Est-ce que j'en ai oublié? Pour ceux qui veulent travailler dans le marketing ou dans le luxe, ça peut être une très bonne filière pour vous.